Voilà, bonjour, bienvenue. Bienvenue, on attend juste 5 minutes, tu peux pas démarrer. Je suis avec notre invité, notre expert du jour, Monsieur Ayegui pour Donald Devi. On va juste attendre que vous soyez connecté. Et puis on va commencer. Voilà, je vois que c'est lancé. Voilà, comme ça, moi je suis à partir d'ici en fait. Je suis à partir d'ici. Alors, est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous voyez là? Ok, très bien. D'accord. Je souhaite que quelqu'un me dise si on nous voit bien, si on nous entend bien, parce que j'ai éloigné le micro. Ok, très bien. Merci, Mohamed Koumaré. Donc, on nous entend et on nous voit. Alors, donc, on va commencer. Hein. On va respecter l'heure. Il est 16h01. Comme promis, je suis aujourd'hui avec M. Ayegui Brou Donald Devi. Il a un nom assez long, mais un joli nom. Et donc, on va aborder aujourd'hui, on va vous faire découvrir le métier de comptable de projet. Mais d'entrée de jeu, je voudrais préciser, expliquer en fait pourquoi, juste vous dire qu'on passe à une autre étape. Voilà, donc depuis le début de cette aventure, le 2 décembre, j'étais le seul donc, à vous faire les présentations, à intervenir. Je vous ai présenté plusieurs métiers que plusieurs ne connaissaient pas. Bien sûr, il y en a qui connaissent puisque je travaille déjà sur les projets. On a pu faire des interactions, donc faire découvrir les différents métiers. On a vu plusieurs métiers que je ne vais pas citer ici. Aujourd'hui, on va voir ensemble le métier de comptable de projet. C'est différent du métier de spécialiste gestion financière, même si l'un conduit à l'autre. C'est-à-dire un comptable, après il devient comptable principal, comme c'est le cas de Donald, il est maintenant comptable principal. Il va vous dire comment il a fait, quel a été son cheminement. Et puis de comptable principal, on peut devenir directement un spécialiste de gestion financière, c'est-à-dire un RAF. Et d'ailleurs, je pense que lui le fait. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on se connaît. On a travaillé ensemble sur le PGD, au BCP Emploi, donc sur le PGD, sur le CDD Emploi. Et puis, moi je suis parti, d'ailleurs il est parti du BCP, parler sur le CDD d'éducation. Donc, moi en 2018, j'ai démissionné des projets. Bon, le Premier ministre m'a rappelé il y a un an, deux ans. Donc, je me suis retrouvé sur le CDD d'éducation et il est là-bas. C'est un brillant monsieur, il est très bon. De toute façon, ce que je vais vous faire, intervenir ici sont des gens excellents. Alors, l'objectif de tout ça, c'est d'une part partager avec vous la connaissance, mais au-delà de la connaissance, la pratique. C'est pour cela que je préfère faire intervenir des gens de métier, des gens qui savent ce qu'il y a à faire, qui l'ont déjà fait, qui sont tombés, qui se sont relevés, qui savent les leçons à tirer et qui peuvent mieux partager avec vous de la pratique. La meilleure façon d'apprendre et d'aller vite, c'est de tirer, n'est-ce pas, les leçons des expériences des autres. C'est pour cela que je vous fais intervenir des gens expérimentés dans les différents domaines. Et je peux vous assurer que lui, il est expérimenté. La deuxième raison, donc, c'est de mettre en lumière ces personnes-là, voilà, qui ont une certaine expertise. Mais très souvent, dans nos contrées, vous avez des gens très très brillants mais qui restent cachés. Ça sert à quoi d'avoir de la lumière, comme la Bible dit, et puis il y a un poisson qui couvre ça. Donc finalement, c'est tellement que tu brilles, mais ta lumière ne profite à personne. Voilà. Ta lumière ne profite à personne. Ça sert à quoi d'être excellent, d'avoir une bonne expertise, d'avoir une bonne expérience, et puis, à la limite, ça ne profite qu'à toi, tes enfants,
bien sûr avec l'argent, mais pourquoi ne pas réfléchir autrement pour se dire qu'on peut partager donc notre expertise avec d'autres personnes pour les aider pendant que ces personnes sont en train de faire leur travail, ou alors même susciter, n'est-ce pas, des vocations. Voilà, j'estime que c'est ce qui va rester en fait. C'est-à-dire, lorsque on va passer chacun de l'autre côté, ce qui va rester, c'est ce que vous devez apporter aux autres. L'argent, bien sûr, ce sera pour vos enfants, s'ils ne se battent pas là-dessus, ou bien pour vos frères, vos soeurs. Les bâtiments vont rester sur terre, mais ce qui va rester dans la mémoire des gens, c'est ce que vous leur avez apporté. Et j'estime pour moi que la meilleure façon d'aider quelqu'un, ce n'est même pas de lui donner de l'argent, mais c'est de l'aider à avoir de l'argent. Et on acquiert l'argent par la connaissance, la pratique de la connaissance qu'on a. Donc c'est vraiment l'une des raisons fondamentales de cette page que j'ai créée seulement fin novembre. Voilà, sur mon profil personnel, qui est Adama Bamba, que j'ai créé cette page pour vraiment partager avec vous ce que je sais, et puis bien entendu, pas limiter ma personne, il faut faire venir des experts. Aujourd'hui, donc, on a Donald, mais comme je l'ai dit, le lundi prochain, on aura une sommité, Monsieur Ndar Joseph, qui est le directeur du contrôle financier. Voilà, il va nous expliquer en quoi ça consiste le travail du contrôleur financier des projets, et puis, quelles sont les mesures à prendre pour que les différents acteurs, n'est-ce pas, travaillent en bonne intelligence. Quand je dis acteur, le coordonnateur qui est l'ordonnateur, le contrôleur financier et le payeur, donc l'agent comptable. Donc on va voir tout ça. Après, bien sûr, je vais faire intervenir d'autres experts dans tous les métiers qui sont cités, et même au niveau des bailleurs. Donc les TTL, les spécialistes qui sont au niveau de la Banque mondiale, de l'AFD, tout cela va intervenir. Aujourd'hui, donc, on reçoit M. Donald Ayebi, comme je l'ai dit. J'estime qu'il maîtrise son domaine, son travail. Sinon, il ne serait pas passé sur ma page. Voilà, donc je vais lui poser des questions et puis lui va répondre. Aujourd'hui, c'est lui qui est vraiment la vedette. N'hésitez pas aussi à poser des questions. Après son intervention, comme on a l'habitude de le faire, je vais donc lire, c'est pour ça que j'ai ma tablette devant moi, je vais lire vos questions et puis il va répondre. Voilà, ceci étant, je vais demander à Donald lui-même de se présenter, mais surtout de présenter son parcours, comment il a fait pour devenir comptable. Aujourd'hui, il est comptable principal, il n'est pas simplement comptable. Il a suivi un peu son cursus, il était venu d'abord comptable, après on devient comptable principal. Aujourd'hui, dans tous les projets quasiment, on a des comptables, on a leur chef qui est comptable principal, que lui-même le chef, le SGF. Donc, M. Donald Ayebi, présentez votre parcours, comment vous avez fait pour devenir aujourd'hui comptable principal de projet. Voilà. Je vous remercie, M. Baratel. Bonsoir à tous. C'est un honneur pour moi d'avoir été choisi par M. Baratel pour cette séance. Je vous remercie d'être là. Et on va échanger ensemble sur ce que c'est que la comptabilité de projet et aussi sur le profil qui est attendu lors des recrutements des comptables de projet. Je suis M. Donald Ayebi, comme M. le coordinateur l'a dit. Et mon parcours est plus ou moins assez lourd en termes de comptabilité parce que j'ai un master 2 en finance comptabilité. Mais j'ai appuyé ceci par des formations. Des formations à trois niveaux, c'est-à-dire la comptabilité française, la comptabilité anglaise, la comptabilité américaine et aussi les IFRS qui sont connus un peu de tous. Voilà. Bien, concernant mon parcours professionnel, après avoir été auditeur en cabinet, assistant comptable en cabinet, nous avons été au nom de 20 à être recrutés par le DGDI, qui est un projet de la Banque mondiale, DGDI, ah, oui. Et donc de gouvernance et de développement institutionnel. Et lors de ce recrutement, on a été formé, c'était vraiment une formation de haut niveau, qui balisait un peu tout ce qui était gestion financière au sein d'un projet. Alors, on a eu des formations au niveau du contrôle financier, des formations au niveau de l'agence comptable, on va en parler plus tard, c'est des institutions dont on va parler. Au niveau aussi de la DLP, qui est aujourd'hui la DGMP, Direction Générale des Marchés Publics. Voilà. Et après cette formation, personnellement, j'ai été envoyé auprès du projet PGDEC pour pouvoir
finaliser ma formation avec des aspects pratiques. Donc c'est ainsi que j'ai atterri sur mon premier projet, qui était le PGDEC en tant qu'assistant comptable. 2 ans plus tard, il y a eu une opportunité auprès du projet Brise. Et c'est un projet aussi de la Banque mondiale. La Banque mondiale était le gestionnaire fiduciaire, mais c'était en réalité un projet financé par le Japon. Voilà. J'ai ensuite été recruté comme comptable principal au sein du CDD Éducation Formation, qui est au sein duquel je suis encore en tant que comptable principal à ce jour. Voilà. Voilà. Si vous avez d'autres questions liées à son parcours, n'hésitez pas à les poser. Hein. Alors, Donald, dis surtout à, n'est-ce pas, à mes managers, c'est comme ça que je les appelle, parce qu'ils ont tous vocation à être des managers dans leur domaine. Quelles sont donc les responsabilités précises d'un comptable de projet? Un comptable de projet, il fait quoi concrètement? Quel est son rôle? Son travail consiste à faire quoi de façon précise? Tu peux prendre vraiment le temps, parce que c'est le cœur, n'est-ce pas, de la discussion. Bien sûr, il y a d'autres questions, mais essaie de leur expliquer en quoi ça consiste le travail d'un comptable au sein d'une équipe de gestion des projets. Déjà, pour commencer, j'aimerais dire que le comptable est un peu le bout de l'entonnoir du projet. C'est-à-dire que toutes les informations qui sont générées au niveau du projet et qui ont un aspect financier passent obligatoirement par la comptabilité. Alors, on est dans très cher manager, comme le comptable vous appelle, comme M. Bamba vous appelle, très cher manager, on est vraiment ici au cœur de l'activité du projet. Donc, les 5 axes sur lesquels je vais vous entretenir sont vraiment les suivants. Déjà, en premier lieu, le recrutement du comptable, le moment idéal pour recruter un comptable, c'est vraiment au début du projet. Pourquoi au début du projet? Parce que c'est le moment où on peut facilement paramétrer, par anticipation, paramétrer la comptabilité. Alors, on a comme point sur lequel on va s'attarder au niveau de la comptabilité, le paramétrage de la comptabilité, on a la gestion des paiements, la comptabilisation des opérations, la mobilisation des ressources et des activités que j'appelle activités accessoires parce qu'elles ne sont pas vraiment forcément le cœur du métier, mais au sein d'un projet, un comptable est obligé de faire ces activités-là. Voilà. Au niveau du paramétrage de la comptabilité, comme je disais tout à l'heure, paramétrer une comptabilité, ce n'est pas simplement découper dans le logiciel, faire tout le paramétrage du logiciel, définir les activités, non. Il y a aussi les autres aspects qui sont extérieurs à ce que le logiciel peut proposer. On a, par exemple, la mise en place des tableaux de suivi, des tableaux de bord. On a la mise en place d'ordres de paiement, c'est-à-dire même dans le format qui doit être proposé au contrôle financier. On a la formalisation des différents bordereaux de transmission et aussi la formalisation des courriers et tout ce qui est lié aux tâches administratives. Donc, paramétrer la comptabilité, c'est l'ensemble de ces éléments. Tout ce qui touche à la comptabilité doit être prévu dans le paramétrage. Donc, toutes les activités que je vais commencer à traiter maintenant, ce sont des aspects qui doivent être paramétrés au début du projet, de sorte à ce que, à la fin, on puisse en tirer des résultats. Donc, maintenant, on va attaquer le paiement. La gestion des paiements aussi. Donc, le premier niveau de responsabilité, c'est le paramétrage de la comptabilité. Okay. Voilà. Donc, deuxième, le paiement. Mais le paiement découle du paramétrage. Bien sûr. Parce qu'on a déjà fait toutes les matrices, on est déjà OK sur tout ce qui est paramétrage. Je reviens quand même sur le paramétrage, il y a un aspect qui m'a échappé. Les logiciels comptables ne sont pas le seul moyen de gérer une comptabilité. Absolument. De projet. Voilà pourquoi j'insiste sur le paramétrage, parce que c'est au comptable de mettre en place le système comptable.
Avoir un logiciel, ça peut être vraiment important quand on a une grosse masse d'opérations à gérer. Vraiment grande. Mais il y a des projets qui se gèrent tranquillement sur des matrices qui sont tenues chez Excel, mais où on n'a pas de soucis. C'est-à-dire qu'il faut anticiper. Savoir vers quoi on va, et puis savoir si les outils qu'on va mettre en place sont des outils qui sont adéquats pour le projet qu'on a à mettre en œuvre. Est-ce qu'on va payer des logiciels à coût de millions, alors qu'on aurait pu simplement gérer le projet sans avoir à injecter ces ressources-là dans le projet. On peut les affecter à autre chose. Donc, pour ce qui concerne les paiements, et c'est là vraiment qui nécessite un point d'attention particulier, parce que c'est ce qu'on ne nous apprend pas à l'école. C'est vraiment le point de formation qui n'est pas appris au comptable à l'école, qui n'est pas appris, je veux dire, qui est peut-être enseigné dans des cabinets de formation et tout, mais qui ne sont pas disponibles aussi facilement. Donc aujourd'hui, c'est peut-être une première, c'est intéressant quand même de partager cette expérience-là. Le paiement sur les projets en Côte d'Ivoire, je précise bien, est régi par... Ça fait pas aux autres pays, non, parce qu'on a d'autres pays, la RDC, la Guinée, le Mali, le Comore. On dit quoi, le Comore ou les Comores? Les Comores. Entre nos frères Comores. ça peut être valable, mais bon, comme je n'ai pas encore eu accès à le texte. Okay. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a vraiment toute une réglementation en termes de paiement, en termes de dépenses publiques. Voilà. Quand tu parles de paiement, tu as dit en Côte d'Ivoire, donc c'est un peu... Oui, non, je disais juste qu'il y a certains pays où ce n'est pas encore objectif, okay, où on n'a pas encore mis en place tous ces systèmes-là, il y a d'autres où il y en a. D'accord. Donc c'est pour ça que le président en Côte d'Ivoire ne voulait pas qu'après il y ait des avantages. Voilà. Donc pour les paiements, il y a l'intervention du contrôle financier et de l'agent comptable qui est le trésorier, le payeur du projet. Le contrôle financier intervient pour viser les dépenses, soit les différer, soit les rejeter, en fonction de l'opportunité de la dépense et de la qualité des documents qui sont mis à leur disposition. Nous avons dans nos outils que nous utilisons, nous avons ce qu'on appelle l'ordre de paiement. L'ordre de paiement, c'est le document qui est édité et signé par l'ordonnateur, qui est le coordonnateur en général, qui émet une dépense et qui demande au contrôleur financier d'effectuer son contrôle et de viser s'il est OK avec ce qui a été envoyé comme demande de paiement. À ce niveau-là, l'action du comptable est vraiment de faire une vérification qui part du marché jusqu'au contrôle sur la facture. Alors, il y a des éléments qui peuvent ne pas être cohérents. Il faut que le comptable puisse les détecter. Par exemple, le marché parle de livrer des motos. On nous fait une facture d'ordinateur. Il faudrait que le comptable puisse prendre connaissance de ce qui est écrit dans le marché afin de pouvoir s'assurer que c'est conforme en termes déjà de livraison. Ensuite, en termes de spécifications techniques. Et enfin, en termes de coût. Alors, ces vérifications sont vraiment la clé pour ne pas avoir beaucoup de rejets du contrôle financier. Il faut ensuite faire des vérifications arithmétiques des factures. Désolé. Des vérifications arithmétiques des factures pour s'assurer que ces factures-là ne comportent pas d'erreurs ou de mentions qui ne sont pas acceptables auprès du contrôle financier. C'est le premier point. Donc, à ce niveau-là, le comptable interagit beaucoup avec le contrôle financier sur déjà la qualité du document qu'on appelle ordre de paiement, sur les informations qui y sont insérées et sur la documentation justificative qui l'accompagne. Cette documentation-là,
elle est bien régie dans les textes du contrôle financier. Donc, il faut que le comptable puisse savoir ce qui est attendu de lui. En règle générale, il peut avoir de petites nuances, mais c'est pour, justement pour pouvoir faire face à certaines difficultés qu'il faut se rapprocher du contrôle financier et savoir ce qui est attendu de nous. Une fois qu'on sait ce qu'on attend de nous, on peut facilement émettre des ordres de paiement qui ne seront pas rejetés. Donc, sur le paiement, ça c'est la première phase. La phase de mise à disposition, enfin, la phase de transmission de factures à payer au contrôle financier. Et cette phase-là. On dirait d'engagement. Voilà, on dirait que c'est la phase d'engagement. Voilà. Une fois que le contrôle financier appose son visa sur l'ordre de paiement, le dossier est retransmis au niveau de nos UCP, les unités de gestion de projet, qui les transmettent par la suite, après les vérifications ou établissement des affiches de contrôle avec le contrôleur financier en co-signature, on les transmet à l'agent comptable qui est chargé de faire le décaissement au prestataire. L'agent comptable fait des vérifications aussi. Il peut s'avérer, c'est très rare, mais il peut s'avérer que dans tout le processus, il y a quelque chose qui a échappé à tous ceux qui étaient chargés du contrôle. Donc l'agent comptable a le droit aussi d'émettre des régies ou de différer sur certains paiements. Mais en règle générale, quand même, c'est des différés qui sont. Parce que c'est le dernier gardien de but. Si les mains des questions, c'est fini. L'argent est parti, c'est fini, c'est compliqué. Donc, étant donné qu'il est en arrière-garde, il effectue quand même des contrôles pour éviter qu'il y ait des choses qui passent qui ne sont pas. Qui ne sont pas correctes. Voilà. Donc, en gros, pour le paiement, c'est vraiment le circuit de paiement qui reste encore méconnu de certains comptables qui sont en entreprise. Quand j'étais en entreprise et en cabinet, c'est pareil, hein, j'avais pas cette connaissance des finances publiques, des dépenses publiques. Et bon, éventuellement, il y a vraiment des aspects d'approfondissement sur la gestion de certaines dépenses, le type de dépenses qu'on doit effectuer, comment monter le dossier, quels sont les éléments qui doivent constituer une IAS pour tel type de dépenses. Bon, je pense que ces aspects-là, on ne va pas entrer dedans, mais c'est vraiment le process qui n'est pas très bien connu de la plupart des comptables, surtout ceux qui sont régis par la comptabilité privée. Bon, au-delà des paiements, donc après que le paiement ait été effectué, on va quand même situer les choses. Hein. Une fois que le contrôleur financier vise l'ordre de paiement, la facture obtient la qualité de facture validée. Alors si la facture est validée, on la reprend en comptabilité. Donc maintenant, on va aborder l'aspect comptabilisation des opérations. La comptabilisation des opérations. Non, on passe au troisième point. Nous sommes au troisième point. On a vu donc le paramétrage, le paiement des dépenses. Voilà. Et puis donc le troisième, ça va être. T'as dit quoi là? Il s'agit de la comptabilisation des opérations. Ok, donc on va comptabiliser les opérations. Comptabiliser les opérations. Bon, au niveau des projets, pour ceux qui n'ont pas de logiciel, on peut tenir une matrice de suivi des opérations, des paiements, les dates de mise à disposition des ordres de paiement au contrôle financier et de validation. Bon, c'est des matrices qui sont des matrices simplistes pour faciliter la gestion de projets, mais qui ne sont pas trop gros, pas trop lourds. Mais quand on a un projet où il y a beaucoup d'opérations qui se font au quotidien, il faut vraiment bien conseiller d'avoir un logiciel pour ne pas qu'il y ait des doublons, qu'il n'y ait pas de difficultés au niveau de la comptabilisation des opérations. Donc c'est là vraiment que tous ceux qui sont comptables se retrouvent. Là c'est vraiment l'aspect spécifique à la comptabilité où tout le monde se retrouve quand il est comptable. Sur la comptabilisation des opérations, comme je disais tout à l'heure, une fois que la facture est valide, le comptable
ou l'assistant comptable, commence à passer les écritures. Commence à passer les écritures. Ce qui est spécifique sur les projets, c'est que la comptabilité n'est pas simplement générale. On ne dit pas, je vais payer un stylo 605, qu'on passe compte, un autre compte de tiers simplement. Non. La comptabilité de projet répond à trois aspects particuliers, avec d'autres aspects qui peuvent être ajoutés en fonction du volume ou bien en fonction de la configuration du projet. Mais on part sur le minimum. Il y a la comptabilité analytique qui est liée aux activités qui sont prévues pour l'exécution du projet. Donc, si l'exécution du projet prévoit activité 1, activité 2, activité 3, lorsqu'on paramètre la comptabilité, on s'assure qu'on a inséré ces activités-là pour qu'au moment où on passe une écriture, on dise tel montant qui a été décaissé tel jour correspond à telle activité. C'est le premier point. Le deuxième point, il s'agit de la comptabilité générale qu'on connaît pratiquement tous. Bon, pour ceux qui sont comptables, et même pour d'autres personnes, tout le monde connaît ce que c'est que la comptabilité. On a les aspects de comptabilité générale qui sont les opérations qu'on passe au quotidien, le compte Sysquada, le référentiel Sysquada nous indique bien ce qu'il faut faire dans ce cadre. Et on a aussi la comptabilité budgétaire. Tout à l'heure, peut-être déjà aller un peu vite, mais au sein du projet, on a deux types de budget au sein des projets de développement. Deux types de budget. On a le budget qui est le PA, plan annuel, le PAB, plan de travail annuel budgétisé, qui peut se faire appeler PAB dans d'autres circonstances. On a le budget par activité. Voilà, le budget par activité. Mais ce budget par activité est retranscrit en budget du système par nature de l'État. Voilà. Donc, on a le budget de l'État et on a le budget du bailleur, en griffe, pour faire simple. Donc, dans une imputation comptable, on a la comptabilité générale, le budget du bailleur, le budget de l'État. Et en plus, on peut avoir des classifications au sein du projet qui peuvent être faites selon les composantes du projet, qui peuvent être faites selon les installations géographiques des sites du projet. Et tout ça, ça dépend vraiment de l'ossature du projet. Donc, la comptabilisation, comme je le disais, dès le départ au niveau du paramétrage, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on attend de la comptabilité pour pouvoir bien paramétrer la comptabilité. Voilà. Donc, en gros, le paramétrage est la clé d'une comptabilité bien tenue. Voilà. Mais, la question que vous me poserez, parce que depuis, je ne parle que des dépenses, c'est certainement où est-ce qu'on trouve l'argent? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir mobiliser les ressources? Et c'est notre quatrième point, la mobilisation des ressources. La mobilisation des ressources sur les projets de développement répond aux exigences des accords de financement. Les accords de financement, ce sont les accords qui sont signés entre le bailleur et l'État ivoirien. Et pour l'État sénégalais. Pour l'État, c'est bon, l'État, bon, voilà. Et l'État. J'ai oublié qu'on est en voilà. Côte d'Ivoire. Et l'État, voilà. Et lorsque il est écrit noir sur blanc que pour approvisionner le compte, il y a des mesures, enfin, il y a des obligations que l'emprunteur ou bien que celui qui reçoit le don, le bénéficiaire du don, doit remplir, on peut avoir un approvisionnement zéro qui est vraiment une mise à disposition de fonds par avance. On peut aussi se retrouver dans une situation où l'État préfinance des dépenses le temps que le bailleur puisse
approvisionner le compte et rembourser ses dépenses qui ont été préfinancées par l'État. Parce qu'il peut y avoir des conditions suspensives qui nécessitent que l'État injecte des fonds. Mais une fois ceci déjà fait, quand on a le compte d'avance ouvert et approvisionné, on effectue des dépenses au fur et à mesure. Et les accords de financement nous disent, par exemple, à 50%, à 30%, à 10% de dépenses, il faut émettre une demande de retrait de fonds. Une demande de retrait de fonds, c'est une demande qu'on émet au bailleur pour qu'il puisse approvisionner le compte projet. Il y a plusieurs types de demandes de retrait de fonds. On a déjà parlé du remboursement de fonds. Il y a le retrait d'approvisionnement du fonds. Et puis il y a les dépenses, les demandes de paiement direct, ce qu'on appelle DPD, qui sont des moyens que le bailleur utilise pour payer directement un fournisseur, surtout quand le montant pourrait venir gréver et créer des tensions de trésorerie au sein du projet. Je prends un cas simple. Hein. On a, par exemple, un montant de 1 milliard qui est en revolving sur notre compte et on a un fournisseur à qui on doit 950 millions. En sachant que les dépenses du projet peuvent atteindre 100 millions le temps que l'approvisionnement soit fait. Ce qui veut dire qu'il va nous rester 50 millions pour pouvoir faire face à des dépenses de 100 millions. On va créer une tension de trésorerie. Dans ce genre de cas-là, ce qu'on fait, c'est de demander au bailleur de payer directement le fournisseur à partir de notre compte qu'il a ouvert au niveau de ses livres. Donc, sur la mobilisation des ressources, il faut comprendre que chaque bailleur a son approche. Chacun a son formulaire qu'il faut renseigner dans le moindre détail et de façon conforme aux directives qu'ils ont édictées. Donc chaque bailleur a sa directive au niveau des décaissements et en fonction du bailleur avec qui vous travaillez, vous essayez de voir comment est-ce que vous pouvez émettre des demandes de décaissement. Maintenant, on a balisé un peu, hein. On sait comment on prend l'argent, on sait comment on dépense, on sait comment on comptabilise les dépenses. Mais il y a un petit aspect quand même. Le comptable projet n'est pas simplement un comptable. Et j'aime à le dire, il est aussi dans le management administratif, il est aussi dans la logistique, il est aussi dans la gestion du personnel. J'aimerais rappeler quand même qu'en général, les équipes projet ne sont pas très pléthoriques, les effectifs ne sont pas très pléthoriques. Donc comme c'est restreint, en général, on ne recrute pas de personnel qui est dédié à la gestion des ressources humaines et souvent même à la logistique. Donc c'est un aspect qui est confié à la comptabilité parce qu'on sait que la plupart des comptables ont quand même les capacités de gérer ces aspects-là. Et ce sont des aspects vraiment qui demandent à être très très tatillon parce que comme c'est pas notre corps de métier, souvent il y a des comptables qui se laissent distraire ou bien qui trucent, mais c'est vraiment des points qui sont très regardés et par le bailleur et par les différents auditeurs internes et externes. Voilà. En gros, okay. Les responsabilités du comptable du projet. Donc monsieur Ayebi Donald est en train de répondre à la question qui portait sur les responsabilités précises d'un comptable de projet. Il en a cité 4. J'ai noté donc le paramétrage de la comptabilité, ce paramétrage peut se faire sur le logiciel ou pas. Il a fait ressortir un élément essentiel. Ce n'est pas tous les jours qu'on a forcément besoin de logiciel. Ça dépend de la taille, n'est-ce pas, du projet. En deuxième lieu, il a parlé des paiements. Donc c'est paiement des dépenses, tout sont des dépenses. C'est-à-dire que tout ce qui est fait comme achat, que ce soit en tout cas, tous les marchés passés, que ce soit les marchés de travaux, équipements, fournitures, même le paiement des salaires, donc tout ça qu'il faut mettre dans paiement. En troisième lieu, tu as parlé de la comptabilisation, c'est-à-dire la comptabilisation des opérations. Et en quatrième lieu, il a parlé donc de la mobilisation des ressources. Et comme il a dit, il y a aussi quelquefois des responsabilités qui s'ajoutent à leur responsabilité première. Donc ces responsabilités qui s'ajoutent là, ça peut être donc leur intervention dans la gestion des ressources humaines, mais aussi dans la gestion logistique. Donc, en tout cas, il a brossé les éléments essentiels
de ce qui peut être appelé comme responsabilité, n'est-ce pas, des comptables au sein des projets, donc ce qu'ils font de façon précise. Alors, il a parlé en termes d'acteurs avec lesquels ils interagissent, il a parlé du contrôleur financier de l'agent comptable, mais est-ce que, il y a, d'ailleurs, ces personnes vont intervenir aussi, hein, je l'ai dit, le lundi prochain, ça va être le directeur du contrôle financier lui-même, après avoir trouvé un bon agent comptable, ou puis on va voir au niveau de la période générale de la dette publique, pour que les gens viennent nous expliquer en quoi cela consiste. L'objectif, c'est que cela puisse aider ceux qui sont en fonction, mais en même temps, susciter donc des vocations. Donald, en plus du contrôle financier et de l'agent comptable, quelles sont les autres personnes, les autres acteurs avec lesquels vous interagissez, qu'un comptable projet interagit donc dans le cadre de son RSS? Déjà, je vais parler en premier lieu des acteurs qui sont au sein du projet. C'est ça. Ceux qui sont au sein du projet, déjà, ceux qui sont le plus proche de nous, hein, qu'on a l'habitude de, avec qui on a l'habitude de vraiment de collaborer, une collaboration très proche, c'est vraiment la passation de marché. La passation de marché. Excuse-moi, je voulais faire une précision. Il sait que là, c'est le thème, c'est un thème assez technique. Voilà, tout à l'heure, dans sa première réponse, il sait qu'il y en a qui n'ont pas compris, mais ce n'est pas grave. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Tu peux poser une question 1, 2, 2. Parce que souvent, quand on ne comprend pas aussi, on ne sait pas quelle question poser. Mais ce n'est pas grave, parce que là, on voit de la comptabilité, c'est très technique. Mais au moins, tu peux avoir un frère, tu peux avoir un ami que cela peut intéresser, ou même tu veux créer des vocations au niveau de ton fils. Donc, demande à ton fils de suivre, mais tu partages à tes amis pour qu'ils puissent suivre. Voilà, si toi, tu n'as pas trop compris, ce n'est pas trop grave. Parce que si, par exemple, tu es médecin ou bien tu es juriste, bon, c'est pas dans tous les cas. Voilà. Mais au moins, si tu as des frères ou bien des cousins qui sont comptables, ça peut être, ce métier peut l'intéresser. Ok? Voilà. Donc, ne sois pas frustré. Voilà, tout le monde, je veux dire, on n'est pas appelé à faire tout la même chose. Mais je suppose que ceux qui sont connectés sont des gens qui sont plus ou moins liés à la comptabilité. Alors, revenons donc aux acteurs, les différents acteurs avec lesquels vous êtes en interaction. Donc, tu disais que tu vas commencer par ceux qui sont au sein des équipes du projet. Voilà, on a au sein du projet le service passation de marché qui est vraiment le service avec qui on interagit le plus. Ce service-là a. C'est pas, je pense que c'est un spécialiste, il y en a. Oui, bien sûr. Ils ont pour rôle véritablement de contractualiser avec des prestataires qui doivent mettre en œuvre des activités ou faire des livraisons, équiper certaines structures. Alors, avec la passation de marché, nous essayons de prévoir les paiements à faire ou le budget qui est lié au marché qui passe, pour pouvoir donner de la disponibilité, pour pouvoir payer, pour pouvoir faire effectuer des paiements. On essaie de comprendre comment est-ce que un marché est rédigé pour qu'on puisse interagir au moment de la gestion du contrat. Est-ce qu'on a demandé à payer une avance à un fournisseur? Sous quelles conditions? Est-ce que ces conditions sont des conditions qui sont acceptables par le bailleur? Au-delà de ça, est-ce qu'à la livraison, il faut qu'on ait une caution de bonne exécution ou de garantie? Est-ce que l'avance qui doit être payée doit être cautionnée? C'est toutes ces questions-là qu'on essaie de régler ensemble au moment de la contractualisation avec la passation de marché, afin que dans l'exécution du contrat, il n'y ait pas de difficulté. En règle générale, ça se passe bien. Et lorsque les informations de contractualisation sont bien prises en compte, au niveau ou bien au moment du paiement, ou bien au moment de la budgétisation, on n'a pas trop de soucis. Mais lorsque ce processus se passe mal, on fait à répétition des modifications budgétaires, c'est-à-dire qu'on a déjà un budget, mais on est obligé de proposer un nouveau budget au contrôle financier chaque fois qu'on a un nouveau paiement qui vient sur notre table. Alors, on est obligé de travailler en étroite collaboration avec ce service-là pour éviter de ralentir vraiment le projet. Donc, tu as cité la passion de marché, et puis le suivi évaluation. Suivi évaluation. Et ça, on avait déjà parlé du contrôle financier, de l'agent comptable, et puis bien sûr, si c'est une cellule d'infrastructure, voilà.
Donc, en fait, c'est, si vous voulez, c'est un service, je ne dis pas, assez sensible, assez important, donc qui interagit en fait avec toutes les entités au sein de l'équipe de gestion de projet, mais aussi avec tous les intervenants de la chaîne, n'est-ce pas, de la chaîne de la dépense. Alors, Donald, quoi d'autre comme question? Alors, quelles sont les précautions selon toi qu'il faut prendre quand on est comptable de projet? Parce que, bon, je suis coordonnateur depuis quand même assez longtemps, et c'est que c'est un service assez névralgique, beaucoup d'informations circulent, voilà, ils sont en interaction aussi avec les fournisseurs. Vraiment, quelles sont les précautions qu'il faut prendre quand on est comptable de projet pour ne pas se situer, surtout dans des situations compliquées, pour bien faire son travail, pour ne pas être en phase, bien sûr, avec son coordonnateur, avec les autres membres de l'équipe, pour ne pas être, voilà, pour bien faire son travail, pour résumer. Quelles sont les précautions? Quels conseils tu peux donner? Le conseil premier, merci pour la question, M. le coordonnateur. Le premier critère, ou bien le premier point auquel il faut faire attention, c'est la confidentialité des informations. On voit beaucoup de choses passer. Les informations que nous manipulons peuvent être utilisées par ailleurs par des personnes de mauvaise foi, hein, qui ne sont pas forcément impliquées, qui peuvent dire par exemple, voilà, on a qui ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas, mais qui vont se lancer dans le débat pour peut-être travestir ce qui s'est vraiment passé, parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passe au sein des unités de coordination. Et cette confidentialité touche aussi tout ce qui est personnel, le suivi des RH, tout ce qui est logistique. Ce qui est logistique, pourquoi? Parce que il peut arriver, par exemple, que pour des raisons de sécurité, on puisse peut-être changer les plaques, passer du jaune au bleu, pour des raisons de confidentialité. Mais si ce véhicule-là a été camouflé, c'est pour des raisons, et certaines personnes peuvent mal interpréter le fait que ça a été fait comme ça. Donc, je pense quand même que un bon comptable doit savoir se taire, savoir gérer ses informations, savoir à qui distiller telle information ou telle autre. Donc, il doit véritablement être un filtre d'informations pour éviter d'exposer le projet et aussi le coordonnateur, même le bailleur, et éviter des risques réputationnels. Voilà, ok. Comme je l'ai dit tantôt, dès qu'on va finir avec moi, ma série de questions, je vois qu'il y a, avant tout, il y a des questions que vous avez posées. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais donc revenir là-dessus. Alors, Donald, pour des gens qui sont comptables, certainement dans le secteur privé, on va dire quoi, dans l'administration publique pure et dure, ou alors des gens qui sont certainement dans les ONG, ou alors qui ne travaillent pas du tout, mais qui ont fait de la comptabilité. Alors, selon toi, qu'est-ce qu'ils doivent faire s'ils veulent devenir des comptables de projet? Et alors déjà, je vais situer un peu le profil. Le profil standard qui est recherché pour être comptable de projet. En général, on a besoin d'avoir. Est-ce que tu t'entends pas? J'espère que vous m'entendez, désolé, j'ai baissé un peu le ton. Non, peut-être que tu t'entends, hein, peut-être que c'est moi. Vas-y. Voilà, il faut un minimum de bac plus 4, un master 1 ou 2 en comptabilité, en finance, en gestion ou en audit contrôle. Il nous faut une expérience située entre 3 et 5 ans, un peu plus éventuellement, en tant que comptable ou auditeur. Et il faut une bonne connaissance des référentiels de CIS OADA, bon, pour ce qui est de notre espace, OADA. Et il faut bien comprendre, bien connaître les obligations fiscales et sociales du territoire sur lequel le projet est implémenté. Un autre aspect, c'est la bonne connaissance des logiciels comptables. Sur ce point-là, j'aimerais quand même attirer l'attention de la plupart des comptables, qu'ils soient en entreprise ou sur des projets, et dire que les logiciels comptables présentent pratiquement tous
la même forme. C'est-à-dire que peut-être que la plateforme est différente, mais à l'intérieur, les états recherchés sont la plupart du temps émis par tous les logiciels. Il ne faut vraiment pas se focaliser sur le fait de trop connaître un logiciel ou de ne pas le connaître. Si vous ne connaissez pas un logiciel, que vous avez des appréhensions, il suffit simplement de vous mettre sur la plateforme, essayer de voir tout ce que le logiciel peut faire et vous aurez les réponses à vos questions. Si vous éditez une balance sur un logiciel A, il y a forcément une balance qui va sortir sur le logiciel B, mais ça ne sera peut-être pas sur le même onglet, ça ne sera pas avec la même procédure. Voilà. Donc, sur ce point-là, j'aimerais vraiment insister parce qu'en règle générale, lorsqu'on lance un poste de comptable, on met souvent le logiciel qui est indiqué, mais j'aimerais dire à chacun d'entre nous que c'est du fétichisme. Voilà, il ne faut pas, il ne faut pas se focaliser dessus. C'est pas parce que vous n'avez jamais vu une plateforme et on a dit le nom dans l'appel à candidature que vous allez vous dire non, je ne maîtrise pas ça, donc je ne pose pas ma candidature. Toutes les candidatures sont les bienvenues. En règle générale, on sent que le comptable a une bonne maîtrise et qu'il n'a malheureusement pas de connaissances sur ce qui est dépenses publiques. Si on n'a pas d'autre choix, on le prend et puis on le formate. C'est ça. Donc il y a toujours, comme je dis, il y a toujours une opportunité qui peut se créer. Et je pense quand même que chaque comptable devrait, s'il est intéressé par les projets, il devrait essayer de postuler. Mais avant, un point essentiel, ceux qui ont la possibilité de se former, ceux qui ont la possibilité de soit payer des formations ou de faire financer par le FDFP, je leur conseille vivement de se rapprocher de certains cabinets qui font des formations dans ce sens-là en matière de comptabilité, de projets ou de gestion financière de projets, pour qu'ils puissent mettre leur profil à niveau. En règle générale, quand on voit un comptable plus de 10 ans d'expérience, ça nous intéresse tout de suite, mais une fois qu'on n'a pas senti qu'il sera à l'aise dans le domaine public, ça lui crée tout de suite une barrière. Une barrière, ouais. Voilà. Donc il serait vraiment intéressant pour ceux qui sont vraiment intéressés d'essayer de faire des formations et puis de présenter leur candidature. Mais surtout, il faut garder la foi, comme dirait M. Gomba. Si vous voyez une offre qui vous intéresse, postulez et puis on ne sait jamais. Pour mon expérience personnelle, je n'avais jamais été comptable de projet. Je cherchais du travail, j'ai vu une offre. Ça m'a tout de suite intéressé parce que j'ai toujours dit que à un moment ou à un autre, j'allais travailler sur un projet de développement. C'était vraiment mon rêve. Et j'ai postulé. Ils avaient demandé, je crois, 2 ans d'expérience. J'avais qu'une seule année d'expérience et puis bon, ça a pris quand même. Mm-hmm. J'ai quand même été retenu, malgré le fait que je ne sois pas exactement au niveau qui avait été demandé et requis. Donc il faut toujours garder la foi, postuler, prier et puis essayer de se mettre à niveau. Lorsque vous voyez une offre qui est lancée dans un journal, parce qu'en règle générale, c'est des appels à candidature pour ces postes-là. Si c'est des postes quand même d'un certain niveau. Quand vous voyez un appel à candidature, n'hésitez pas à noter tout ce qui est critère, tout ce qui est attendu. Vous regardez Bac plus 4, vous avez Bac plus 4, c'est bon. Expérience 5 ans, ok, c'est bon. Vous n'avez pas de formation sur les finances publiques. Ok, je note ça. Vous essayez de chercher. S'il y a un cabinet qui fait une formation en finance publique et qui est quand même reconnu, vous allez vers ce cabinet-là, vous faites votre formation, vous attendez le prochain appel à candidature. Là, vous pouvez avoir un profil intéressant et puis essayer de faire pousser votre dossier en avant par rapport à ce que vous aviez préalablement. Voilà. Donc, ok, sans des conseils assez pratiques, non, tu peux ajouter. Ouais. Non, il faut juste se préparer, c'est tout. C'est ça. Il faut juste se préparer pour pouvoir satisfaire à une demande, enfin, à une offre d'emploi. Il faut s'assurer qu'on rentre vraiment dans le profil, c'est la première clé. Ensuite, peut-être qu'à l'entretien, vous allez impressionner le jury et puis vous allez passer. Mais il faut vraiment rentrer dans le profil. Très bien, merci Dylan. Alors avant de poser, afin de voir les questions de ceux qui nous suivent,
Et je voudrais que tu reviennes un peu sur le lien entre le comptable et le spécialiste de gestion financière. On n'a pas trop parlé. Ah oui, on n'a pas parlé. Quel est le lien entre les deux dans au niveau du travail, des activités, et puis au niveau hiérarchique, et puis comment on peut passer. Bon, moi je le dis déjà, tu as dit, une fois qu'on est comptable sur un projet, on peut, quand on est bon comme Donald, on peut passer très rapidement comptable principal. Et d'ailleurs, je lui ai dit de commencer à postuler pour être SGF. Voilà, ça te fait 10 ans, je te sais très très compétent. Voilà, donc ressort un peu le lien entre le comptable et puis le spécialiste de gestion financière que j'avais déjà présenté. Et effectivement, on n'en avait pas parlé, le comptable principal et les comptables, s'il y en a, et les assistants comptables aussi, sont sous la responsabilité du spécialiste en gestion financière ou qui peut être appelé RAF aussi sur certains projets, responsable administratif et financier. Alors, le lien, c'est un lien hiérarchique direct entre le comptable et le spécialiste en gestion financière. Le spécialiste est celui qui porte le service, c'est vraiment le manager du service. C'est lui qui donne les orientations. Par exemple, s'il vous demande de lui ressortir une matrice où il y a telle information, il faudrait s'assurer que vous puissiez le faire ressortir à partir de la comptabilité du logiciel ou bien des informations que vous avez à votre niveau. Donc, le responsable administratif et financier est vraiment celui qui pilote la cellule comptable et financière, que ce soit des aspects d'administration, de logistique, de personnel et de comptabilité. Alors, il chapeaute vraiment le comptable qui lui met à disposition l'information financière qui va être utilisée dans le cadre du reporting financier, dans le cadre de prévision financière et dans bien d'autres besoins que le bailleur peut estimer intéressant pour lui et aussi la maîtrise d'ouvrage éventuellement. Voilà. D'accord, merci Donald. Alors, je vais passer aux questions que vous avez posées. Alors, dans le fil des commentaires, donc il y a M. Jeff Mukombozi, il doit être la RDC, je pense. Et donc, il te demande donc de revenir sur l'éthique de comptabilité en gestion des projets. Tu as parlé de comptabilité analytique, générale, budgétaire. Donc, il souhaite que tu reviennes un peu là-dessus. Alors, déjà, la comptabilité est basée sur des comptes, c'est-à-dire un référentiel comptable. Les différents comptes qui sont, par exemple, je commence par la comptabilité générale, ils sont par exemple dans la liste des comptes Cisco-ADA qui sont utilisés en comptabilité générale. Tous ces éléments qui sont dans la liste des comptes constituent les comptes qui vont être utilisés pour la comptabilité générale. Alors, ces comptes-là sont en général ce qui est enseigné à l'école, ce qui est enseigné dans les formations de comptabilité. Donc, pour la comptabilité générale, il n'y a pas trop de soucis. En général, c'est connu quand même de tous les comptables, de la plupart des comptables en général. Par contre, ce qui est de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité analytique, ce sont des aspects qui sont peut-être utilisés ailleurs que sur le projet, parce que c'est de bonnes méthodes de gestion. Mais sur le projet, c'est vraiment la clé pour pouvoir faire un suivi. Alors, le budget, le projet, il se prépare, il se planifie, il s'exécute et ensuite il s'évalue. Afin de pouvoir évaluer le projet in fine, il faut qu'on sache qu'est-ce qui a été pris sur telle ligne budgétaire, qu'est-ce qui a été pris sur telle ligne analyse à faire, telle ligne d'activité. Donc, comme je disais, on a d'une part le budget de l'État, le budget du bailleur, qui est retranscrit dans le budget en ligne par nature selon la nomenclature de l'État. Donc, en réalité, c'est une retranscription. Mais étant donné que c'est une retranscription, par exemple, aujourd'hui, on a l'activité
faire un atelier de renforcement des capacités. On a ça. À l'intérieur, on a location de salles. On a, par exemple, un prestataire pour les pauses déjeuner. Alors, ces deux lignes-là ne sont pas forcément les mêmes lignes que dans la nomenclature de l'État. Donc, pour pouvoir faire un suivi du budget du bailleur et un suivi du budget de l'État en même temps, la seule écriture comptable va comporter plusieurs champs. On aura d'une part le champ de la comptabilité générale, d'une autre, le champ de la comptabilité par activité qui est validé par le bailleur, et en troisième lieu, le champ de la nomenclature de l'État pour les dépenses publiques qui sera mis dans un autre champ. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été assez précis. Mais je suppose, sinon, si. C'est pas si j'ai été assez précis. Si la question, il faudra toujours la reposer. Donc, il avait dit de revenir un peu sur la comptabilité générale, analytique et puis budgétaire. Alors, il y a monsieur. Monsieur Alban Rodolphe Iramba Djoba. Donc, il demande est-ce que les fonds prévus dans le cadre d'un projet peuvent être domiciliés dans une banque privée ou bien c'est seulement dans la caisse du Trésor? Monsieur Alban, monsieur Alban, pour répondre à votre question, tout part de l'accord de financement qui est négocié entre le bailleur exactement. Et l'État qui est emprunteur ou qui bénéficiaire du don. Si le bailleur et l'État ne voient pas d'inconvénients, ça se fait avec beaucoup de bailleurs, on peut ouvrir un compte dédié au projet dans une banque commerciale. Par contre, si l'État estime qu'il faut que les ressources soient logées dans les comptes du Trésor, alors dans ce cas-là, c'est cela fait. Donc, c'est deux choix qui sont laissés à l'appréciation du bailleur et de l'État emprunteur pendant la négociation du projet. Donc, je confirme, je confirme ce qu'il dit, hein. Bien sûr, tout ce qu'il a dit auparavant, mais juste dire qu'il y a des exemples comme ça en Côte d'Ivoire où on a, il y a des bailleurs, ça ne leur pose aucun problème que les fonds soient logés à la banque du Trésor, mais il y a d'autres bailleurs qui préfèrent donc les banques commerciales, hein, les banques privées. Donc les deux schémas peuvent arriver, mais comme il le dit, tout part de ce qui a été convenu entre le gouvernement et le bailleur de fonds. Alors, M. Mohamed Koumaré, il demande, il donne un cas précis. Donc, la solution du marché a passé les marchés. Et puis, au moment donc, d'engager les dépenses, donc la prestation certainement a été faite, au moment d'engager la dépense ou alors de faire l'avance, le comptable se rend compte que les prix sont exagérément élevés. Voilà. Est-ce que le comptable a la possibilité d'y réagir? Voilà, je prends ça comme ça. Est-ce qu'il peut dire non, j'estime que les prix sont trop élevés, il faut reprendre la prestation du marché? Si c'est le tout dans un tel schéma, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est une colle, hein? C'est une colle. C'est une colle. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est une colle. Ouais. En règle générale, les marchés qui sont passés avec une commission de jugement d'offre. C'est le premier point. La commission est constituée de la maîtrise d'ouvrage, de la direction des marchés publics ou bien même du contrôle financier et de certains autres acteurs qui peuvent venir compléter la liste. Voilà. Mais lorsque ce contrat sort de là, enfin lorsque l'offre sort de là, qu'elle est validée, elle part chez le bailleur, il y a une validation. Elle repart à la direction, enfin au marché public, qui est revalidée, et même elle obtient l'approbation du ministre bailleur. Ou du bailleur. Oui, 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 l'approbation. L'approbation du ministre. De tutelle ou même le ministre du budget. Du ministre de tutelle, du moins, ou du ministre du budget. En réalité, le marché devient exécutoire.
Et dans cette situation, c'est vraiment des situations qui sont très délicates pour les comptables. Parce que là, on se rend compte que le bien est anormalement élevé en termes de coût. On a la possibilité, et ce n'est pas interdit, mais étant donné que, comme on dit, le financier est le premier garant des fonds qui sont dépensés sur le projet, et que notre responsabilité éventuellement peut être engagée s'il y a un problème, on a la possibilité de repartir vers le bailleur pour confirmer les coûts, de repartir vers le fournisseur pour confirmer les coûts, c'est-à-dire s'assurer que tout est OK en termes de validation, refaire le process en quelque sorte, pour qu'on nous mette à l'aise, ou bien, pour qu'on soit confortable avec le fait de payer, d'effectuer ces dépenses. On peut même se tourner vers l'auditeur interne pour expliquer un peu comment est-ce que on fait, pour expliquer un peu la situation. Et si on a un accord ou bien un avis favorable de ces parties prenantes dont j'ai parlé tout à l'heure, là, on peut se permettre d'engager la dépense. Mais vraiment, c'est quand même une colle parce que c'est pas toujours évident. Il y a des dépenses, des niveaux d'exagération de coûts pour lesquels vraiment tout de suite on dirait non, je n'engage pas cette facture. Je ne peux pas mettre ma responsabilité en jeu pour ces... Ok, d'accord. Donc merci Donald. Il y a M. Koumari qui a une question, mais je pense qu'on n'aura pas de répondre, on n'aura pas le temps de répondre à ça ici. Ça, c'est certainement dans le cadre d'une formation, parce qu'il demande si, vu votre grande expérience dans la gestion des projets, pourrez-vous nous proposer un schéma de comptabilisation des fonds envoyés à une agence d'exécution? Ah bon. Ça. Non, je peux. Ok, donc vas-y. On va bosser un peu dessus, on va bosser le sujet rapidement. Il s'agit ici de mise à disposition de fonds pour des sous-projets, c'est des sous-subventions en réalité. Donc le schéma est simple, je ne vais pas aller jusqu'au compte, mais le schéma de flux financier est simple. Hein. Il s'agit de payer, enfin de passer une étude d'avance au bénéficiaire. Et lorsque le bénéficiaire exécute les dépenses, il justifie toute justification qui est jugée probante, on la défalque de son compte. Et s'il y a un reliquat, le reversement aussi permet de solder le compte du bénéficiaire de la sous-subvention. C'est tout le schéma qui est là. En gros. Maintenant, au-delà de ça, les numéros de compte, bon, après, c'est des aspects techniques dans lesquels on ne pourra pas rentrer ici. Parce que les agents d'exécution ont des sous-projets, en fait, et des coûts du projet même. C'est bien ça. Alors, il y a Mylène Kouassi, et puis, il y a un qui a mis cette dame, ça doit être son nom d'artiste. Ils ont à peu près la même question. Hein. Donc, ils demandent est-ce qu'il y a un plan comptable projet? Alors, Mylène demande est-ce qu'il y a un plan comptable analytique du projet? Voilà. Est-ce qu'on peut appeler ça plan comptable analytique du projet? Ces deux questions vont dans le même sens, donc je vais utiliser la même réponse. Oh, ouais. En réalité, le plan comptable projet, qu'il soit général ou analytique, est vraiment un plan comptable spécifique au projet. Pour ce qui est de la comptabilité générale, on essaie au maximum de se rapprocher de ce qui est dicté par l'OADA. Mais il peut arriver des situations, et c'est là qu'on est obligé de faire de l'ingénierie financière, où il y a des comptes qui n'existent pas dans ce qui est dicté par l'OADA, ou des comptes qui ne sont pas assez déclinés pour nous permettre de faire un bon suivi. Dans ce cas-là, on est obligé de créer des comptes nouveaux qu'on vient rajouter au plan comptable OADA. Mais pour ce qui est de la comptabilité analytique, le plan comptable analytique est spécifique au projet. Il faudrait vraiment qu'il y ait deux projets qui soient quasiment jumeaux pour qu'on ait des plans analytiques qui sont pareils, identiques. C'est pas possible. À chaque activité correspond une activité qui est codifiée dans le plan analytique. Voilà, alors il y a M. Stéphane Azatassou qui demande est-ce que le budget est élaboré par le comptable, le budget donc du projet, ou bien c'est avec l'ensemble du corps financier, à savoir le coordonnateur, le comptable et le contrôleur. Bon, pour cette question, déjà, les deux options qui ont été données, c'est vrai qu'ils participent, mais c'est pas tout. Le budget du projet est établi en accord avec
les maîtrises d'ouvrage en premier, ou le comité de pilotage, où il y a l'instance qui en fait coordonne ou bien supervise le projet. Il faut qu'il soit d'accord avec le budget. Il se montre aussi à partir des besoins des bénéficiaires. L'équipe projet seule ne monte pas le budget. Alors, on a l'équipe projet, on a les bénéficiaires, et il peut y avoir des instances qui sont autour du projet, des parties prenantes qui peuvent participer à la budgétisation des activités. L'idée qui me fait passer, comme je voulais tout expliquer, en fait, que ce soit le budget, que ce soit le plan de communication, le plan d'opération des marchés, le plan de suivi, tout cela découle du plan d'action qui peut porter le nom de PTAB ou bien de PTBA ou de PAA. Et le PAA, dont le plan d'action, est élaboré, comme il a dit, d'abord par le maître d'ouvrage, ensuite au sein de l'équipe de gestion du projet, par toutes les entités, tout le monde intervient. Pourquoi? Parce que dans la mise en œuvre des activités, dans la mise en œuvre des activités et des dépenses, c'est toutes les cellules qui vont intervenir. Donc la meilleure formule, ce n'est pas de demander un comptable, il faut faire le budget puis tu envoies, non. Puisque le budget il doit découler du plan d'activité. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a le budget par nature, il y a aussi le budget par activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça découle en fait du plan de travail annuel budgétisé. Et ce plan de travail annuel budgétisé, il est fait pour atteindre les objectifs de l'année. Et donc pour cela, c'est vraiment tout le monde qui intervient. C'est lorsqu'on finit le plan de travail annuel budgétisé, que maintenant le comptable il se concentre maintenant sur la partie comment mettre la nomenclature budgétaire, faire les différentes lignes budgétaires, pour sortir maintenant le budget par nature, qui est le budget, comme il a dit tout à l'heure, le budget de l'État, et puis bien sûr, tenir maintenant sa comptabilité analytique. Donc c'est tout le monde qui intervient, c'est un travail d'équipe. Un projet, c'est un travail d'équipe. C'est on fait d'abord un travail d'équipe et après on demande à chacun d'aller se concentrer sur son plan. Par exemple, une fois qu'on finit le plan d'action, maintenant la cellule de passion du marché va aller se concentrer sur le plan de passion du marché. La cellule de gestion financière va se concentrer sur les deux types de budget. Suivi évaluation va faire son plan de planification, suivi évaluation, le suivi de ses indicateurs, il y a quoi de, même le plan de communication, la cellule de communication va aller se concentrer. Mais tout ça, ça doit découler, n'est-ce pas, du plan de travail annuel budgétisé. Alors, il y a un qui a posé une question. Est-ce qu'il y a une différence entre un gestionnaire comptable et un comptable? C'est M. Camara, Matenelaï Camara. Est-ce qu'il y a une différence entre un gestionnaire comptable et un comptable? Bon, c'est juste un souci de terminologie. Oui, je suis d'accord avec toi. Ils font pratiquement le même boulot. Oui, je pense que c'est une question de terminologie. Terminologie. C'est la même chose, Camara. C'est exactement la même chose. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres messages. Je vois. Bon, alors, ce qu'on va faire, parce que ça fait déjà une heure et temps. S'il y a d'autres questions, la prochaine fois, on va revenir là-dessus. S'il y a d'autres questions. Mais je voudrais vous rappeler, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je voudrais vous rappeler que le jeudi, donc le lundi prochain, on verra le contrôle financier. En Côte d'Ivoire, encore pour ceux qui sont hors de Côte d'Ivoire, c'est un service assez important et incontournable. Je pense qu'il y a d'autres pays aussi, hein, qui sont dans le même chemin que la Côte d'Ivoire. Que ce soit des pays d'Afrique, de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, qui sont un peu dans le même schéma. Donc, lundi prochain, le directeur du contrôle financier va nous entretenir. Mais avant ça, le jeudi, je vais vous entretenir sur le type d'organisation à mettre en place, donc pour assurer la gestion efficiente du projet. Et le vendredi, on va revenir sur le thème qu'on avait abordé, qu'on avait commencé le vendredi dernier, c'est la gestion efficiente du temps. Donc, comment réussir la gestion efficiente du temps. Alors, Donald, c'est toi qui as l'honneur aujourd'hui. Quel est ton dernier mot? Mon dernier mot, c'est vraiment d'insister sur les qualités d'un bon comptable. Un bon comptable, d'abord, il agit par anticipation. Parce que lorsqu'on reçoit un projet, il faut pouvoir être capable de dire en fin du projet, on me demandera ça, on me demandera ci. Donc il faut que je le prévoie dès le départ, mais pas qu'à la fin, j'ai des difficultés pour établir certains états. Il y a aussi des capacités de bons communicateurs, parce que pour vous dire vrai, on est au contact permanent
soit des fournisseurs, soit des bénéficiaires des projets. Et il faut vraiment être dans une dynamique de, et avoir une dynamique de diplomatie, avoir beaucoup de tact, ouais, pour ne pas avoir à froisser quelqu'un ou bien froisser les uns les autres. Mais il faut avoir aussi une bonne capacité, un bon sens du travail en équipe. Parce que comme je disais, on est au bout d'un tournoi, donc si on ne collabore pas avec les autres, on risque de se retrouver vraiment submergé par certaines choses. On a aussi des capacités qui sont vraiment nécessaires pour pouvoir être un bon comptable, c'est la créativité. Je parlais tout à l'heure d'ingénierie financière. Souvent, on est un peu coincé dans des situations, des écritures qui ne sont pas éditées par tous les manuels qu'on connaît. On est obligé de s'asseoir, réfléchir avec le spécialiste en gestion financière pour dire « Ah, voici l'écriture qu'on retient et qu'on va justifier auprès de l'auditeur. » Il faudrait que ça respecte les règles qui sont éditées par le droit comptable. Et toutes ces choses-là, il faudrait vraiment techniquement être capable de le faire. Il faut aussi être polyvalent. Polyvalent parce que sur les projets, pour tout vous dire, c'est un peu comme au basket, quoi. On se replace comme on peut, on se replace comme on peut chaque fois pour pouvoir faire face à l'adversaire qui vient. Donc il faut être polyvalent et aussi il faut pouvoir prendre des initiatives pour pouvoir aider dans sa lourde tâche de spécialiste en gestion financière. Voilà. Il faut savoir aussi s'adapter parce que, comme je parlais tout à l'heure de logiciel, on peut tomber sur un logiciel qu'on a déjà utilisé, comme sur un logiciel qu'on n'a jamais utilisé, mais il faut avoir la capacité de pouvoir s'adapter à ce nouveau logiciel, à ces nouveaux outils de travail. Voilà. En gros, je vous exhorte véritablement, si vous êtes intéressé par la comptabilité des projets, à chercher à faire des formations si vous ne l'avez pas encore fait et à vraiment vous rapprocher des cabinets qui ont vraiment la capacité de vous orienter sur ces aspects-là et vous permettre d'embrasser votre rêve ou vos ambitions. Voilà. Oui, bien sûr. Bon, comme je suis à l'honneur, je fais un coup à tous les aspects 4 qui m'ont fait des... C'est qui les aspects 4, c'est les amis de Saint-Philippe. Ah, d'accord. La promotion que j'ai vue tout de suite. Ah, ok, d'accord, très bien. Oui, mis quelques... D'accord. Ben voilà, vous voyez, bon, il fait honneur à... Oh, quoi, c'est quoi, on est quoi? Les alumni. Les alumni du lycée scientifique. Lycée scientifique. En tout cas, personnellement, je suis très content de sa prestation. Il a donné, bon, bien sûr, ce qu'il vient de donner, c'est des formations de 2 semaines. Mais bon, il a donné vraiment l'essentiel. Et donc, je voudrais, en votre nom, le remercier, lui dire merci d'être avec nous aujourd'hui, pour échanger avec vous. En tout cas, merci. Moi, je suis vraiment satisfait. Bravo, félicitations. Merci. Et bah, vous voyez que je n'ai pas eu tort hein, de dire qu'il est très, très brillant. Et tout ce que je peux te souhaiter, c'est de parler très rapidement à SGF. Hein, Raph, tu peux le faire, il faut te lancer. Tu as dit tout à l'heure aux gens de se lancer, il faut te lancer. D'accord. Voilà, donc pour ceux qui vont suivre cette vidéo en différé, ils peuvent toujours laisser des questions. Et puis bien entendu, on trouvera un temps pour voir comment répondre à ça. S'il faut faire revenir Donald, on va venir juste pour des sessions de questions-réponses. Ceci étant, je vais donc vous dire merci de nous avoir suivis. Et puis on se donne rendez-vous le jeudi à 16h. Voilà, sur l'organisation à mettre en place pour la réussite d'un projet. Merci à vous, bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Merci hein, Donald. Merci, merci à vous. Voilà. Je vais arrêter donc la vidéo.